Bonsoir. Bonsoir. C'est bien. On m'a dit que pour réussir dans ce métier, il fallait 10 ans. Alors, est-ce qu'il y a un producteur dans la salle, aveugle et sourd? Celui qui l'accompagne, je l'attends à la sortie. Hein. Je suis sûr que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout sur scène, ce vieux, hein? Eh bien, je vais vous dire pourquoi je suis là. Ouais, pourquoi je suis là? Ah ben, ouais, pourquoi je suis là? Oh, chier d'être vieux. Mais nous, les vieux, on a souvent des trous de mémoire. On ne nous voit pas, on ne nous regarde pas, on ne nous aime pas. Et pourtant, j'existe, hein? Vous pouvez même me toucher, tiens. Non, pas toi. Toi, tu peux me toucher. Alors, ça fait quoi de toucher un vieux? Ça va, hein? Ouais, tu peux en mettre sur ton Facebook. Ce soir, j'ai touché un vieux. Non, mais si j'avais su qu'on ne naissait pas vieux, mais qu'on le deviendrait, je me serais méfié. On nous cache tout, on ne nous dit rien. C'est pour ça que je suis venu ici vous dire, ah voilà, ça me revient, je sais pourquoi je suis là. Je suis là pour vous dire, faites attention, vous allez tous devenir vieux. Regardez-moi, vous avez devant vous votre avenir. Ça fait peur, hein. Ça fait... Même moi, quand je me regarde, je me dis, oh merde, le temps a passé. Hein? Tu fais quelque chose, le temps passe. Tu fais rien, le temps passe exactement la même chose. Alors on t'a rien à foutre. Écoutez les conseils d'un vieux sage. Soyez fainéant. Faites rien. La vie passe la même chose. Que tu te crèves le cul à bosser pour que tu n'en foutes pas une, tu deviendras vieux, la même chose. Je trouve qu'il y a trop de vieux parmi les gens de mon âge. Non mais les garçons de mon âge, attends, ils n'ont pas vu le temps passer, alors ils le tuent comme ça, avec une zapette. Alors que de mon temps, au XVIIe siècle, on se battait comme ça pour une belle. Et maintenant, les jeunes se battent comment pour leur belle? Ça change, hein? Et puis il y a pire, attends. Les filles de mon âge, oh mon Dieu, mais des choses pareilles. Les filles de mon âge, elles font semblant de nous faire croire que le temps n'a pas passé. Mais ça marche pas. Ça se voit. Il y a un mec qui a applaudi. Non mais ça se voit, hein? Vous êtes d'accord? Ça se voit, il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein? Attention, j'ai pas dit qu'elles étaient moches, hein. Les filles, il y en a peut-être ici. Non, elles sont pas moches, mais elles sont vieilles. Et ça, c'est dommage, je n'aurais pas dû devenir vieille. Les femmes, oui. Ce soir, j'ai vu qu'il y avait plein de jolies filles, hein. Et les jeunes, je vous trouve toutes jolies, même les moches. Mais comment choisir, pour moi, entre une jeune moche et une vieille jolie? Ah ben, là, pour moi, le problème ne se pose pas, parce que je fais l'unanimité auprès des filles, elles me disent toutes non. Chier des vieux. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oh, lololo. Parce que dans ma jeunesse, eh bien, je peux vous dire que j'en ai coincé de la taupe. Oh, le carnage! J'en ai des kilomètres au compteur, hein. J'avais 4 vitesses et ils enfilaient vite, hein. Oh là, le carnage, hein. Et j'avais, il n'y avait pas la direction assistée non plus, hein. Et on a, et c'était bon, des belles sensations. C'était pas les sensations d'aujourd'hui, hein. Ah, belle époque, on se parquait n'importe où, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Bon, voilà, ça me manque, hein. Bon, je suis garé là-devant. S'il y a quelqu'un qui veut que je le raccompagne? Non? Ça m'étonne pas. Chier d'être vieux. Bon, je vais me branler.